'cause you look so fine and I really wanna make you mine. Wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get up back stare. Well, I can see you. Be my girl. Well, it's a 1, 2, 3. Take my hand and come with me, because you look so fine and I really wanna make you mine. I said you look so fine and I really wanna make you mine. Bonjour, j'aurais besoin de quelques renseignements supplémentaires pour compléter le test d'ADN que vous nous avez demandé. Allez-y. Tout d'abord, savez-vous à quelle date environ remontent vos derniers rapports sexuels avec Trisha? Eh bien voilà, selon ce que j'ai ici, Trisha n'est enceinte que depuis 3 mois environ. Il est donc totalement impossible que vous soyez le père. Vous me soulagez énormément. Merci. Mais de rien. Trisha, je peux te parler un instant? Allez, entre. Alors voilà, j'ai annoncé à Trisha que je n'étais pas le père, et ce que je vous dis là doit rester entre nous, d'accord? Personne ne doit savoir. D'accord. Il m'a avoué quelque chose. Vous savez tous que lorsque nous nous sommes laissés, Trisha s'est mis à fréquenter son gérant. Eh bien, il semblerait que ce serait lui le père. Mais je ne comprends pas. Pourquoi elle a essayé de te faire croire que c'était toi? C'est qu'en fait, son nouveau gérant m'aurait violé. Quoi? Laetitia? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui lui prend? John, tu sais ce qui se passe? Hein? Non. John, tu n'es vraiment pas bon menteur. Allez, crache le morceau. Je ne peux pas. Désolée. Je lui ai promis de ne rien dire à personne. C'est ma sœur. J'ai le droit de savoir ce qui se passe avec elle. Alors vous devez me jurer de ne jamais en parler. Oh non. Je crois que je viens de comprendre. Le gérant de Trisha, c'est le même qui s'est occupé de la carrière de Laetitia, pas vrai? Oui. Et si je ne me trompe pas, ce n'est pas longtemps après avoir perdu ce contrat que la carrière de Laetitia s'est mise à dégringoler et qu'elle a changé de voix. Tu ne crois pas que... John, j'espère pour ta santé que tu n'es pas en train de nous dire que son gérant l'a violée et que tout ce temps, ni toi ni elle ne m'en avaient parlé. Pas tout à fait. Laetitia est très débrouillarde, vous savez. Elle sait se défendre. Il s'est essayé, mais elle a réussi à le repousser. Mais depuis ce temps-là, il lui mène la vie dure. Il a tout fait pour détruire sa carrière. Il l'a appelée à quelques reprises pour la menacer. Laetitia, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Tu n'aurais pas pu comprendre. Mais bien sûr que j'aurais compris. Tu aurais dû en parler. Si ce n'est pas à moi, tu aurais dû porter plainte. Tu ne sais pas ce que ça représente. Tu ne sais pas ce que c'est. Alors explique-moi. Je ne veux pas en parler. Ne me regarde pas comme ça. Tu sais, ça marchait quand j'étais petite, ce truc-là, mais plus maintenant. Arrête! Allez, dis-moi ce qui s'est passé. C'est le sentiment le plus désagréable et le plus douloureux que je n'ai jamais ressenti. J'avais peur. Peur qu'il revienne. Peur de ce qu'il m'arriverait s'il revenait et qu'il réussissait. Chaque soir, je fermais la porte à clé, les fenêtres, et j'ai même rajouté des verrous. Je voulais en parler. Je voulais qu'il paie pour ce qu'il m'a fait et pour ce qu'il avait sûrement déjà fait à d'autres. Le sentiment de vouloir me venger était tellement intense et, en même temps, j'avais tellement honte. Je ne pouvais pas en parler. Honte de quoi? Honte qu'il ait réussi à m'approcher. Honte que j'ai été assez stupide pour croire qu'il était quelqu'un de bien. Honte de l'avoir invité chez moi. Honte de ce que je portais ce soir-là. Tu portais quelque chose de spécial? Seulement mon chandail rouge et ma jupe en jeans. Que tu n'as plus reporté depuis. Je peux encore sentir ses mains m'agripper et ses lèvres sur les miennes alors que je disais non. Chaque fois que je voyais ses vêtements, je repensais à cette histoire. Alors, un soir, j'ai tout brûlé. Tu sais ce que tu dois faire maintenant, n'est-ce pas? Non, j'ai mis tout ça derrière moi et j'ai refait ma vie à neuf. Ça n'est évidemment pas derrière toi si tu pleures encore à cause de ça. Tu dois en parler. Pour toi, pour qu'il ait ce qu'il mérite et pour toutes les autres qui n'ont pas été assez fortes pour le dénoncer. Mais aussi pour toutes celles à venir. Est-ce que tu crois que Josh pourrait m'aider? Oui, sûrement. Je lui en parlerai. Kelly, s'il te plaît. Dis-lui que je ne veux pas aller dans les détails. Je vais le faire. Je vais le dénoncer pour empêcher qu'il recommence. Mais je suis incapable de parler des détails. D'accord. Vient le moment où l'amour abandonne. Il nous laisse seul en chemin.
Je ne crois plus aux fausses raisons qu'on se donne. Lors de la compétition, interdiction formelle de regarder les numéros. Elles sont très douées. Toi aussi, ne l'oublie pas. Ne te laisse pas déconcentrer et focus sur ton objectif. D'accord. On y partage l'air de rien. Je ne veux plus me déchirer à faire la somme de mes torts ou des tiens. Elle est vraiment très douée. Elle a du talent, mais il est mal exploité. Elle devra travailler très fort. Et elle aura besoin d'un chorégraphe. Ça, en compétition, ça n'ira pas. Mais elle va être sélectionnée malgré tout, n'est-ce pas? Bien sûr que si. C'est ma protégée. J'ai une réputation. Les jurys me connaissent. Ils savent que mes élèves ont toujours ce qu'il faut. Pour elles, la sélection n'est qu'une formalité. Il semblerait que ce mania de l'industrie du showbiz ait agressé, violé et menacé plusieurs de ses clientes. L'une d'elles aurait porté plainte ce matin au poste de police de Simsville. Nous ne connaissons pas encore leur nom, mais nous vous rappelons que tout récemment, le modèle de Simi Shampoo, Trisha Dale, a appris qu'elle était enceinte. Les résultats des tests d'ADN qui ont été demandés sur l'enfant à naître nous diront si l'enfant est bien de son ancien gérant, qui est maintenant sous les verrous. Monsieur, des commentaires? Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un coup monté. Je n'ai rien à me reprocher et celle qui tente de détruire ma carrière parce qu'elle est jalouse recevra un jour ce qu'elle mérite. Quel est son nom? Elle saura se reconnaître. Ne t'en fais pas. Là où il est, il ne pourra pas te nuire. De toute façon, s'il tente quoi que ce soit, tu m'appelles, d'accord? D'accord. Ne t'en fais pas, petite sœur. Tout va bien aller. Chacun ses choses à revoir. Madame Caldwell? Qu'est-ce que vous faites là? Malgré toi, malgré tout ce qu'on laisse derrière soi, malgré tout, malgré moi, je ne suis plus où tu croyais déjà. Malgré tout. Ce n'est pas là qu'est le meilleur des mondes. Peut-être c'est un peu plus loin. On a volé, mais voilà qu'on retombe à n'être qu'un plus un. Je préfère laisser là les questions, le poison de nos chagrins, et ne plus t'écouter répéter le nom de tes « je m'en souviens ». Chacun écrit son histoire, chacun ses choses à revoir. Malgré tout, malgré toi, malgré tout ce qu'on laisse derrière soi, malgré tout, malgré moi, je ne suis plus où tu crois.